Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure sur Watch Dogs. Légion, très content de vous retrouver de retour avec notre expert en drone. Seconde chance parce que c'est vrai qu'il s'est fait totalement maltraiter dans le dernier épisode. J'espère que ça ira mieux pour lui aujourd'hui. Et alors j'ai passé toute ma journée, toute ma soirée, toute ma nuit, certes avec les élections, merci d'ailleurs parce que comme ça au moins ça m'a occupé l'esprit, hein, ça m'a donné ma dose d'adrénaline. Parce que j'étais en train de formater ce foutu PC, j'ai pris des précautions, j'ai balancé mes données importantes, l'intro, l'outro, les musiques et tout, les projets du logiciel de montage, de Adobe, etc. sur un autre disque dur externe. Ça a pris du temps, j'ai préféré quand même ne pas prendre de risques, et j'ai tout formaté. J'ai tout remis à zéro le PC pour être sûr qu'on n'ait plus ces problèmes de freeze, parce que bon sang, les 4-5 dernières vidéos, c'est moche. Et certains d'ailleurs, merci à vous, vous m'avez mis les timecodes. Justement dans les épisodes en me disant il y a eu un bug à telle minute. Et par exemple l'épisode de Watch Dogs d'hier c'était toutes les 2-3 minutes. Mon dieu c'est horrible. Bon, j'espère que le problème sera réglé aujourd'hui. J'en suis pas sûr, j'ai fait des tests de quasiment 2 heures, tu vas me lâcher toi? Eh oh, ça va pas non? T'es malade ou quoi? Et un peu de respect hein. Respect aux anciens. Oh merde ils sont deux. Oh là par contre ça part en steak. Ah ils sont 3. Ok. Bon, est-ce qu'on peut commencer éventuellement la course? Le lâche. Je me tire. Ça marche en plus. On dirait un tank. Ok, on est en position. C'est bon pour toi? C'est y part. Luttez contre le pouvoir. Virons les mercenaires d'Albion de Hamlet. Plus tu fonces dans le quartier, plus tu te fais remarquer en cassant des trucs, et mieux c'est. Si tu ralentis, les mecs d'Albion vont regarder ailleurs et on va se faire choper. Fais ce que tu peux pour attirer leur attention. Un jeu d'enfant. Oh là, c'est assez sensible quand même, donc faut passer entre les checkpoints. Et bah moi qui disais qu'il n'y avait pas de course. Bah voilà. Au moins on en a une petite, c'est cool. Donc ouais, il est possible qu'il y ait encore des freezes hein, aujourd'hui, hein, je dis pas. Hein. Parce que c'est encore trop frais pour vous dire que tout va bien. Mais j'ai fait des tests, j'ai fait 2 enregistrements hier. Oh merde, le bus. J'ai fait 2 enregistrements hier, de 1 heure chacun, sur 2 disques durs différents, et j'ai pas vu de bug. Donc j'espère que ce sera de même aujourd'hui, hein. Après avoir, je vous garantis rien. Donc vous me direz dans les commentaires de cette vidéo. De toute façon je le verrai au montage hein, vu que j'inspecte maintenant. Je suis aux aguets comme on dit. Ok, il y a combien de checkpoints? 31. Ok. Oh, 2 triangles. Oh là là. Ouh, ça fait mal. Bon, tant que ma bagnole explose pas, ça devrait le faire. Continue, on va tout vider là-dedans. Vous avez absolument tous les soldats albions du Boro à vos trousses. Montrez-leur que vous en avez sous le pied. Incroyable, bah c'est bien au moins, ça varie les missions de Boro. C'est pas comme d'habitude. Attends, par contre, c'est moi, il y a une musique. Coupez la musique, s'il vous plaît. J'avais pas entendu. Oh, attention. Waouh, cette esquive magnifique. Ah, par contre, j'ai remarqué que le son du micro était un petit peu plus élevé que. Qu'avant. Faudrait que je le baisse. Ouah, c'est pas un problème ça. Je peux régler au montage. Nous sommes des professionnels. Bien sûr. Allez hop. Poussez-vous. Franchement, c'est cool hein, cette mission. Alors, rien de très original, mais c'est bien d'avoir des courses. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas du tout dans le jeu. Franchement, c'est con. C'est très très con. Ah, attention. Ah, mais non. J'aurais dû détourner. J'aurais dû les hacker avant. Hop là. Putain, ça me chute carrément dessus. Hein. 26 sur 31, on y est presque. Hein. Pour l'instant, pas de grosses erreurs. Mon véhicule tient le choc. Mais c'est un véhicule blindé ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà. Ça rappelle autre chose, bien sûr. Ah là là. Les pyramides. Et voilà. C'est tout? Ah mais il n'y avait que ça en fait. Trop bien. Ah ben c'est une mission de Boro, vite terminée. Tous pareils, tous uniques. Et bien voilà, un quartier de plus pour DeadSec. Et alors, je peux vous mentir, je suis un peu éclaté. Peut-être que ça se ressent pas, mais vu que j'ai passé une grande partie de la nuit... Bon sang, c'est revigorant. C'était nickel. Même si t'as défoncé ma caisse, c'est pas grave. On a tout vidé dans l'entrepôt, et les gens savent qu'Albion gardait tout pour lui. Avec ça, tous les gens en galère vont nous rejoindre. Oui, il est temps pour le peuple de se lever et de combattre. Ils ne pourront pas attendre que DeadSec résolve tous leurs problèmes, sinon ça changera jamais. Je suis carrément d'accord. Perdez pas mon numéro, DeadSec. Allez, salut.
Allez, salut, wesh wesh. Non, donc ouais, je disais, je suis un peu éclaté parce que justement, j'ai formaté ce PC toute la nuit, les élections, tout ça. On peut vraiment être fiers. Parfait. Boro révolté, rébellion de Tower Hamlet. Très bien. Eh ben écoutez, on a débloqué, voilà, nouveau perso. Allez, on passe tout de suite sur notre nouvel agent. Qui a un look assez... une chevelure développée. Je sais même plus ce que c'est comme type d'agent. Les cadors de votre trempe, c'est toujours un plaisir de les voir rejoindre l'équipe. Ouais, j'ai trop hâte d'entrer dans la lutte. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu es, toi? Je me souviens même plus. On va voir tout de suite dans l'équipe. Alors, putain, j'ai commencé plein de recrutements. Terrible. Alors, ah oui, c'est un pilote. Enfin, du coup, on dit une pilote? Vous me dites dans les commentaires. Melissa Harris. Ah, comme le pain de mie. N'a jamais payé d'amende pour excès de vitesse. Bravo. Bolide de fuite, véhicule personnalisé, d'accord. Anti-chasseur, immunité au drone chasseur. C'est bien, ça? Trafic allégé, pirate les véhicules. Ouais, et elle a un pied de biche. C'est sympa. Allez, je prends elle. En plus, on me disait de varier au niveau des agents féminins. Et ben voilà. C'est parfait, ça tombe à pic. Donc, maintenant, mission principale, voyons voir ce qu'on a. Donc, la suite des missions SIRS, interroger Richard Malik. Mais je pense qu'on les a finis, là, on va juste aller à... Ouais, logiquement, on va juste à la planque. Ça doit être ça. Allez hop, je me téléporte directement, trajet rapide. Et on va essayer de faire tout l'épisode avec notre nouveau perso, là. Et j'ai pas fait de mission de Boro, effectivement, dans l'épisode précédent, parce qu'on n'a pas eu le temps. Les missions principales nous ont bouffé vraiment tout le temps. C'est dommage. Mais on les fera tous, hein. S'il faut en faire deux dans une vidéo, on en fera deux. On sait que t'es responsable pour l'ambassade, Malik. Et on sait que t'es impliqué dans les premiers attentats. Allez, maintenant dis-moi tout. Les premiers attentats? Mais qu'est-ce que tu... Signe, je me suis fait capturer par de parfaits idiots. Je n'ai pas commis ces attentats. J'ai essayé de les empêcher. Je suis un patriote. Et tout le monde me traite de cinglé. Même Emma. Mais c'est là que j'ai su que les renseignements ne suffiraient pas. Que pour sauver l'Empire, il me faudrait une force de frappe. Et vite. Alors, comment tu connaissais Zero Day avant de nous contacter? Je suis un espion. Alors oui, j'avais quelques infos sur la plus grosse attaque terroriste de notre histoire récente. En toute franchise, j'ai cru que c'était vous, Zero Day. Parfois, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Mais si la conspiration vous obsède à ce point, c'est Albion qui avait le plus à y gagner. Vous n'y avez jamais réfléchi? Vraiment? Ouais, ouais, on en a déjà parlé. En attendant, tu vas rester croupir ici. Ce qui est sûr, c'est que tu l'as bien mérité. Oh, je ne pense pas m'éterniser ici. Ces murs s'écrouleront avec vous dans peu de temps. Votre petit groupuscule est voué à l'échec. C'est systématique. J'ai assisté à ça des dizaines de fois partout dans le monde. Vous allez vous entre-déchirer. Même pas besoin d'Albion, de Zero Day ou de quoi que ce soit d'autre. Une seule idéologie fédératrice, un seul leader robuste. Voilà les caractéristiques du pouvoir dans toute l'histoire de l'humanité. La démocratie et le pluralisme n'étaient que des anomalies, des contretemps dans la chronologie. Vous, DedSec, vous n'êtes rien de plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de l'Empire. Mais la page est sur le point d'être tournée, et vous n'êtes pas prêt pour ce qui vous attend. Faites-le taire. Mission accomplie, Barbare en approche. En fait, fallait juste... Ouais, on aurait pu le faire dans l'épisode d'hier, ça. Chapitre SIRS terminé. Jeu d'espion. Ouais, on aurait pu le finir hier, j'avoue. Chapitre Albion commencé. Bas les masques. Bas les pattes. Raviver la flamme. Où est-ce que ça se trouve? Vous allez adorer. Amish m'a prévenu que Nigel Cass était sur le point de dévoiler un nouveau projet ignoble lors d'une conférence de presse. Ouais, alors? Ils sont toujours en train de préparer un sale coup de toute façon. Parce qu'Amish a convaincu son contact d'Albion de nous parler. Apparemment, les choses n'ont pas été faciles depuis les facéties de Radu, et il est particulièrement nerveux ces temps-ci. Mais sa taupe pourrait nous fournir des informations utiles. Vous avez rendez-vous au Drowning Post. Cool, un verre. Ça va m'aider à trouver un plan pour casser la gueule à cet enfoiré de casse. Allez, un petit canon. Rencontrer l'informateur d'Albion. C'est par là-bas. Ah bah tiens, dans le quartier en plus qu'on vient de conquérir. Station Wapping. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une téléportation juste à côté. C'est parfait. Par contre, il faut que je vois un petit peu les accessoires et les armes que j'ai avec elle. Fais voir. Équipe. Tu es où? Tu es où? Tu es là. Hein. N'oublions pas que c'est un pilote. Eh oui. Une pilote. Alors, arme. Arme incapacitant. Alors, attends, je vais mettre les skins. Quand même.
Je vais mettre... Oh, le skin rose. Ah oui, c'est vrai que je l'avais. J'ai aussi le skin bleu. Ah, le skin bleu, il est trop classe. Mais bon, je vais prendre le... Ah mais non, je l'ai pas acheté. Si ? Oh ! Ah bah d'accord, je prends le bleu. Dans ce cas-là. J'ai aussi le rose bonbon. Mais le bleu, c'est vrai qu'il est stylé. Et pour le flingue, je vais mettre le orange. Ouais, je reste sur ces skins-là, c'est cool. Ensuite, au niveau gadget, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Ouais, on peut lui mettre ça pour qu'elle se défende. Allez, je vais lui équiper l'électro-point. Ça peut être quand même vachement cool. Sinon, après, si on a besoin de l'arachnobot, je l'équiperai également. Allez. Une petite voiture, s'il vous plaît. Allons-y. Ah, mais non, c'est juste à côté. J'aurais pu y aller à pattes. C'est pas. Mais pousse-toi. Ils ont pas peur quand même. Hein. Ouais, c'était juste là en fait. Allez. C'est là. Ouais, mais ah, attends, je bois un petit coup. Hein. Mauvaise nouvelle de la part d'Amish. Son contact est en retard. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Compte sur moi. C'est ce que je fais. Attention, je vais voir flou. non, je t'ai pas dit de reboire un coup. Je voulais prendre le truc à côté. Allez, double dose. C'est, je commence à voir les couleurs qui changent. Je commence à avoir des vagues. Terrible. Allez, on va attendre ici. Encore à se dégrader le lobe frontal ? Il en faudrait bien plus pour me faire ça. L'attaque a eu lieu au moment même où le PDG d'Albion, Nigel Cass, annonçait une nouvelle initiative en matière La télé plus fort, s'il te plaît ! Nos caméras ont enregistré la scène de l'attaque. Attention, certaines images peuvent être choquantes. C'est grâce à un travail sans relâche que nous avons pu déployer ces points de contrôle. Attention ! 43C, préparez-vous à attaquer ! Parez à faire feu ! Parez à faire feu ! Menteur ! Espèce de seul menteur ! Tu vas tous nous tuer ! Tandis que les agents du gouvernement préparent une annonce, Nigel Cass déclarait ceci. Nous attaquer, moi et mes hommes, c'est une chose. Nous sommes entraînés pour combattre ces monstres, mais je ne tolérerai jamais qu'on touche aux civils. Cette ville mérite la paix. Je vous le promets. Si rien ne change, ces attaques continueront. Nous ne pouvons plus rester cloîtrés chez nous. La peur au ventre. Les criminels. Les terroristes. Nous pouvons les empêcher d'agir. Et pour cela, j'ai un plan. La police et les politiques ont peut-être baissé les bras. Mais moi, je n'abandonnerai pas. Merci. Alors ça, ça fait plaisir. C'est Cass qui doit prendre les choses en main. Jamais de la vie. Encore une de ces raclures à vide de fric. Arrête, Nigel Cass est le seul qui en a quelque chose à battre de cette ville. Crève. Hé, hey, baissez d'un ton. Reste en courtois. Sérieux, c'est pas vrai. Putain de merde. Dites-moi que vous avez pu rencontrer mon contact et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Ton contact s'est jamais pointé, Amish. Mais franchement, c'était un coup fourré. Typique de Nigel Cass. Je suis sûre que c'est lui. Il avait trop bien préparé son petit discours. Faut qu'on aille là-bas. Non, mais tu comprends pas. Radu était complètement à l'ouest ces derniers jours. Il délirait en disant qu'il fallait absolument arrêter Cass, peu importe le prix à payer. Le timing est trop parfait. Cass qui annonce sa nouvelle initiative de sécurité et qui se fait attaquer en public. Mais bien sûr. J'espère que vous avez raison et que c'est pas Radu qui a pété les plombs. Alors là par contre tu vois, j'ai pris un tunnel mais je sais pas où ça me mène, donc compliqué. Ah mais non, mais ça va me faire traverser carrément ici. Ah c'est pas le but hein. Allez, direction Morgate. Téléportation. Ah on n'arrête pas, hein. On se téléporte toutes les 5 minutes. Alors, zone interdite évidemment. Sinon c'est pas drôle. Alors là ce serait peut-être mieux pour mon expert en drone, non? Parce que j'en vois partout. Ce serait plutôt intéressant. Enquêter sur le site de l'attaque. Alors attends, c'est bien, en cette zone je vérifie. Ouais. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais changer. Parce que immunité au drone chasseur. Ouais. À la limite tu prends le contrôle d'un drone, non? Comment ça se passe? Attends, parce que là il y en a plein partout. Limite j'ai pas besoin de mon expert en drone justement. Hop, contrôlé. Laisse-moi observer la zone. C'est le site où Nigel Cass s'est fait attaquer. Mais surprise, surprise, sa clique de malandrin a déjà fait disparaître toutes les preuves. Une scène de crime nettoyée aussi vite? Cette fois, c'est bon. Il n'y a plus de doute, quoi. Possible. Si vous cherchez des indices, je pourrais peut-être reconstituer l'attaque en réalité augmentée. T'es le meilleur, Bugs. Il y a un relais CityOS à proximité. Vous y trouverez les données dont j'ai besoin. Je m'en charge. Un relais CityOS, tu penses qu'il est là? Ah oui. Yes. Il est là-dedans. Bon, bah, ça doit pas être bien compliqué. Faut venir ici.
Ah oui, mais c'est en zone rouge. Donc faut venir de cette route là. Ouais, il vaut mieux. Je vais faire le tour du coup hein. Je vais quand même faire le tour, ça vaut mieux. Votre voiture, monsieur, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Elle est plutôt stylée en plus. Ouais, ouais, je préfère faire le tour, me rapprocher vraiment de l'objectif. Ce sera plus simple à mon avis. Je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai formaté le PC, j'ai l'impression que le jeu tourne mieux. Même si on est toujours en DirectX 11, hein. En 12, j'ai testé, ça bug encore. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Mais c'est rien, monsieur. Non, c'est rien, monsieur, je suis pas en zone interdite. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Et toi, calmez-toi. Oh, ça marche trop bien, ce point. Ah, j'adore. Ah, je l'ai calmé direct, hein. Niveau arme. Ouais, donc c'est quand même plutôt du classique, hein. Niveau armement. Bah écoutez, allons-y, hein. Ou alors on pourrait... Ouais, je pense qu'on va envoyer un arachno. Vous devez récolter des données. Attends, il n'y avait pas une caméra dans le coin? À la limite. Si. Il semble qu'il y avait une caisse d'arachno qu'on pouvait... Il y en avait une là, regarde. Arachnobot. Voilà. Au moins je reste à l'extérieur. J'ai même pas changé de gadget. Ah bah non! Il m'a vu direct, ce con. Vite, passe en dessous. Passe en dessous! Ok. Normalement, c'est bon, je suis protégé. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique! Merci beaucoup! 10 points tech. D'ailleurs, en point tech, on a quoi? Attends. Point tech. Ouais, je voulais booster un petit peu à. L'arachno, qu'est-ce que je peux faire? Ajoute un camouflage qui peut être activé manuellement. Non, pas trop. Par contre, je voulais finir d'améliorer ces trucs-là. Ok. Par contre, ça coûte 45, j'ai plus que 5 points, mais ça ne suffira pas. Donc, comment je peux rentrer là-dedans? Je suis pas sûr qu'il y ait un moyen de... Tu vois, de... Ah si! Super. Dis-moi qu'il y a personne à l'intérieur. Attends, il y a une caméra là, je vais observer. J'observe l'intérieur, voilà. On peut interagir effectivement avec l'arachnobot. Yes! Donc là, on est en bonne posture, mesdames, messieurs. Mais non! Mais... J'ai pas dit de faire ça! Reviens sur l'arachno! Mais trop de balles! Mais dégoûté! Attends, je ressors vite. Non, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Oh zut. N'importe quoi! N'importe quoi alors que j'avais l'arachno. Toi aussi, calmos, hein. Ah, c'est con! Est-ce que je peux retrouver l'arachno, s'il vous plaît? Attends. Bon, tant pis, hein. Quand on a commencé comme ça... Allons-y, de toute façon, il n'y a plus grand monde, c'est pas grave. Ouais, mais on pouvait y aller avec l'arachno. On est bien d'accord. Hein. Allez. Pull pied, biche! Oh, cette violence! Les deux, on se les fait pas, là. C'est bon, on peut rentrer maintenant. Tiens, amorce le piège, si jamais il y en a un qui arrive. Oh putain, j'ai pas vu lui. Oh, c'est dommage. Allez. Ciao, bye. Je rentre vite. C'est trop pratique, ce point, quoi. Ouais, on aurait pu le faire easy avec l'arachnobot, mais je me suis trompé, je suis revenu sur elle. Regagner le lieu de l'événement pour voir la reconstitution. Alors, maintenant... Par contre, on n'est pas tranquille. Ouais. Ah, attends. Ils sont plusieurs là-bas? Ouais. Ils sont plusieurs, c'est chiant. Faut reconstituer, mais tant qu'il y a les mecs... Oh, ils sont plusieurs? Oh là là! Finalement, je vais peut-être repasser sur l'arachno, moi. Attends. Est-ce qu'il faut y aller physiquement sur le lieu de la reconstitution? Attends, mais je vais prendre mon arachno parce qu'il est plus rapide. Putain, c'est ça aussi, c'est quand tu prends un arachno qui n'est pas le tien, c'est super lent. Putain, chanson interdite, je peux pas. Je vais sortir de la zone, je prends mon arachno. Lancer la reconstitution. Ouais, je pense qu'on peut le lancer avec... Je suis même pas sûr, hein. Attends. Arachno, voilà. Hop, j'envoie. Contrôler. Et là, je peux sprinter. Ah oui. Ah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus rapide. Donc, nous disions... Passons aux choses sérieuses. Reconstitution, s'il vous plaît. Normalement, je peux le faire avec l'araignée, ça. Elle reste en dessous. Non? Si. Bien sûr. Et reste planqué, s'il te plaît. Reconstitution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, une explosion. Mais oui, ce qu'on a vu avant. Il y a vraiment des soldats partout, hein. Putain, le véhicule qui arrivait comme ça. Pro-terroriste, dans le sens où ça a l'air à la fois pro et en faveur du terrorisme. Il y a tellement de gens qui ont accès à des armes de pro maintenant. Je vais voir ce que je peux trouver. Analyse du conducteur. Attention. J'essaie de rester planqué.
Recherche dans les bases de reconnaissance faciale et ah, le voilà. Radu Florin, un employé d'Albion bien comme il faut, jusqu'au jour où il a tenté d'écraser son patron avec un camion piégé. Radu ? Oh merde ! C'est le type qui m'a rencardé sur Thémis, mon contact chez Albion. Alors c'était pas une mise en scène. Logique, Cass a pas besoin de se créer des ennemis, tout le monde veut déjà sa mort. Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver pour en arriver à un truc aussi extrême ? Vas-y, Bugs. Regardez-moi ça. Il y a une boîte noire sous le châssis du camion d'Albion, comme dans les avions. Alors... C'est là-bas qu'il faut que j'analyse ensuite ? Ouais. Je reste toujours planqué, hein. Je pourrais tenter de localiser la boîte noire. Elle nous indiquerait l'emplacement actuel du véhicule. Tu devrais chercher avec les plaques aussi. Bien sûr, je vais également surveiller les échanges d'Albion et fouiner là où ils s'y attendent le moins. C'est pas comme si je m'occupais de tout. Ça sent l'employé en colère, ça. Cass a sérieusement mis les nerfs à ce mec, d'une manière ou d'une autre. Si c'est la guerre civile dans les rangs d'Albion, c'est une bonne nouvelle pour nous. On devrait jeter un œil à ce camion. D'après les conversations radio d'Albion, ils ont reconduit le camion jusqu'au site de l'attentat de la TOAN. Et encore plus étrange, ils en ont profité pour y ramener la dépouille de Radu Florin. La TOAN, comme par hasard. C'est Albion qui coordonne les efforts de nettoyage du site, ce qui est plutôt vague. C'est leur dépotoir en fait, non ? Pour les problèmes qu'ils veulent faire disparaître. Si on trouve le camion, on trouve Radu. Ok, d'accord. Quitter la zone. Très bien. Hop, je rappelle mon arachno. Ouais, c'est une zone où on n'était pas obligé d'y aller physiquement du tout. Attention, pneu crevé détecté. Veuillez le réparer dès que possible. Un pneu crevé ? On s'en fout. Mission commencée, Nigel l'a échappé belle. Ah oui, je sens que j'ai un pneu crevé, effectivement. Quel côté ? J'ai l'impression qu'ils sont crevés de partout, en fait. Oh, c'est bizarre. Chercher des preuves à la Toan, ok. Alors, par ici. Et encore une zone rouge. Magnifique. Attends, je vais reculer, on va voir de quel côté on va commencer. Oula. Attends, faut que je reste avec la touche, voilà. Pour voir l'arrière. Je pense que je peux rentrer par ici. Yes. Je suis arrivé à la TOAN. C'est là qu'ils ont amené le camion de Finsbury ? Tout à fait. Toutefois, on ignore pourquoi ils l'ont amené ici. Je vais voir ce que je peux trouver. Par contre, là, attention, je ne suis pas en zone rouge pour l'instant, donc pas de problème. Par contre, après, j'y rentre. Donc, je vais d'abord observer avec les caméras ce qui s'y trame. Ok, il y a des drones. Oh non, pas ces trucs. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, par contre, je peux les contrôler. Excellent. Je peux les contrôler. Ça se trouve, on peut trouver des preuves sans pour autant rentrer dans la zone, ce qui m'étonnerait quand même. Alors, les preuves sont là, apparemment. Bah, on a juste à... Attends... Là, il y a une clé, ouais. Point d'accès. Faudrait que je trouve le garde qui a la clé, au pire, je lui pique et je rentre par là, tranquille. Oh putain, non, il y a ces foutus drones. Ça, c'est chiant, par contre. Tu sais quoi, là, je mets le piège. Toi, tu as pas la clé, non ? Non, toi, tu as pas la clé. Ah ! La clé est là-bas. Ouais, mais c'est galère, du coup. Ah ouais, non, non, c'est très... Tiens, vas-y. Essaye de le shooter, celui-là, à la limite. Il va y aller dedans ? Il va y aller ? Non, il passe juste à côté. Oui, oui. Eden. Bah, tu sais quoi, lui, on peut le contrôler. Vas-y, on va essayer. Coucou. J'adore, sérieux. Attends, désactive. Voilà, je vais péter la truc. Sur le côté. Qui ose me tirer dessus ? Ok, ok, ok. C'est chaud, hein. Le drone va péter dans pas longtemps. Il est pas mort encore. Bon, on en tue un maximum avec ce drone. Avec cette mitraillette. Avec cette mitrailleuse, du moins. Je vais y arriver. Et il a pas duré longtemps. Il a pas fait long feu, quand même. Hein. Ils sont tous autour. Tu vois, je voulais la jouer différemment pour une fois et... Attends. Et lui ? Est-ce qu'il est armé ? Attends. Contrôler. Oui, il est armé. Excellent. Bon après faut apprendre à viser hein. Allez. Je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Putain ils sont chauds du slip par contre. Oh oui bien joué.
J'adore combattre avec les drones, c'est trop cool. Attends, mais sa tête cherche nous, c'est moi. Ouais, j'ai l'impression que même si c'est pas hyper bien visé, ça repart sur un côté, non? Ouais, j'ai cette impression. Ok, vas-y. Non! Attends, je passe au-dessus. Non, dommage! Dommage, on était bien. Attends, je repasse sur la caméra. Est-ce qu'il y a d'autres drones par hasard? Ce serait quand même vachement cool, mais j'y crois pas des masses. Amorcer le piège. Tiens, il y a un piège que j'avais pas amorcé, c'est con. On peut faire péter éventuellement ces trucs-là. Par contre. Là-bas, il y a un autre piège. Il y a deux pièges qu'on a déjà amorcés. Et la clé, au fait, je pouvais pas la prendre de là. Hors de portée. Attends, il y avait peut-être moyen de... de prendre ça d'ici, non? Apparemment pas. Ah, dommage. Parce que je me serais dit, j'aurais été un peu con. Allez, je vais rentrer maintenant, je vais les finir. Ouais, ils sont beaucoup moins nombreux. On peut se le permettre. Carrément, c'est des vrais bras cassés. Attends, toi viens par là, s'il te plaît. Par contre, ça, tu peux le... Attends, je vais leur lâcher dessus. On peut leur lâcher dessus. Largage, bah ouais, je pense. Si je lâche d'aussi haut, je suis sûr que ça explose. Attention. Attention. Vas-y, je l'arrête. Largage. Oh mon dieu. C'est terrible. Ah non, mais c'est terrible, sans déconner. Attends, j'en prends un autre. Tu m'as vu, toi, tu m'as vu. Mais en plus, ils ne suspectent pas un drone... un drone comme ça. Ah, les pauvres. Arrête-toi. Attends. Voilà, on le distrait. Je peux pas le distraire, tant pis. Boum. Oh là là, c'est méchant. Eh bien voilà, je pense qu'il n'y a plus grand monde, du coup. Je pense que là, on est pépouze, hein. Carrément. J'ai même plus besoin de la clé, hein, je m'en fiche. Hein. Bon, pour la peine, peut-être que je vais aller la prendre, mais... ça sert à rien. Ah, pour ressortir, peut-être, ouais. Alors, attends, c'est de ce côté? Yes, interagir. C'est le camion qui a commis l'attaque de Finsbury. J'ai une correspondance d'immatriculation. La dashcam est inexploitable, mais les caméras sur place ont fait un enregistrement audio. Écoutons ça. Oh, finalement, je veux pas aller la prendre, la clé, parce qu'il reste des soldats là-bas, par contre. Oh, merde. Il est vraiment amoché. Bah, c'est ça quand un véhicule explose. C'est moche, je le croisais souvent au service de R&D. Tu le connaissais, toi? Carrément pas. Et puis, j'en parlerai pas si c'était le cas, si tu vois ce que je veux dire. Je détecte à proximité plusieurs optiques dénuées de signes vitaux. C'est par là que nous devrions chercher le corps du chauffeur. Compris. Ah d'accord. Moi je repartais, hein, je me tirais. Suis-je bête, hein. Bon, remarque, j'en ai un premier très très proche. Mais bien sûr, ce sera pas là. Non, je pense que je suis rentré du bon côté, hein, en vrai. Hein. Attends, laisse-moi récupérer le casque. Non, il est mort depuis trop longtemps. Ça peut pas être lui. Oui, à en juger par son état de décomposition, je dirais que cette personne est morte pendant l'attentat de la TOAN. Et un mystère de résolu. Alors, on va aller voir à l'étage supérieur, est-ce qu'il y a des soldats? Bah, disons qu'on a fait bien le ménage avant déjà. Il en reste peut-être, mais à mon avis, pas grand-chose. Je suis limite d'aller prendre la clé quand même. Parce que si jamais j'ai besoin de sortir rapidement par le portail devant, ouais, on sait jamais. Allez, pour être sûr. Télécharge la clé. Mais y'a plus personne en fait. Bah non. Tranquille. Voilà, comme ça au moins je pourrais sortir par le portail tranquille. Et là, comment je passe à l'étage? Ah, bah éventuellement ici. On aurait pu passer par l'autre côté, je pense aussi. Ok. On a juste ce truc-là. Désactiver. J'avance le piège si besoin. On y est. Alors, est-ce qu'il est là? Oh là, je crois que c'est lui. Il est salement brûlé. Ça m'a l'air récent. J'aperçois un bout de métal abîmé dans sa caboche. C'est peut-être son optique. Mais pas pour toi, hein, Bagley? Je suis en train de récupérer tout le contenu de son cloud. Je vous recommande de quitter les lieux. Les enfoirés d'Albion.
Ils viennent balancer leurs cadavres ici. On exhume encore des cadavres des décombres de la TOAN. Ils peuvent donc tuer n'importe qui sans être inquiétés. J'amorce tous les pièges, même si ça sert à rien. Et là maintenant, on peut quitter la zone. Ça y est, on a fait le job. Alors j'ai pris mon temps, hein, voilà, en contrôlant les drones. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on l'avait pas trop fait. Bon, après, c'était pas mes propres drones. Mais dès que t'as ces compétences, tu vas pouvoir contrôler les machines, franchement. J'ai déchiffré un fichier audio trouvé sur le corps de l'assaillant. Je lance la lecture. À toi de jouer, Bugs. Il les a lancés, maman. Ils attendent là-haut et personne n'est au courant. Les gens pensent que ce type les protégera, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de prendre le contrôle. Il les a envoyés là-haut pour nous surveiller, et pire. Il dit que c'est la justice. Les drones t'émissent. Quelle blague! Le projet était mort, mais... Il a demandé à l'équipe de concevoir une mise à niveau pour activer un redémarrage du système et... Tu détestais toujours que j'utilise mes mots compliqués. Je dois empêcher ça. S'il n'est plus là, ça n'arrivera pas. Maman, je vais faire quelque chose d'horrible. Enfin, c'est ce que diront les gens. Si seulement ils savaient ce que je sais, ils changeraient peut-être d'avis. Ils verraient que je ne suis pas un monstre. Maman, moi j'essaie d'arrêter le monstre pour empêcher une horreur. Est-ce que toi, tu tuerais quelqu'un? Est-ce que tu le ferais si c'était vraiment horrible? Pardonne-moi, je t'aime. Mais c'est une blague! Ces drones Témis étaient au-dessus de nous depuis le début! Oh, une petite mise à jour et ils vont se transformer en vraies machines à tuer! Ça peut prendre des mois, mais... Cass est capable de remettre le projet sur pied. À moins qu'on ne détruise directement les drones. Hey Bugs, par hasard, les données Témis qu'on a effacées chez Tidis, tu t'en souviendrais assez pour nous bricoler une meilleure mise à jour en mode rétro-ingénierie? Je vous propose encore mieux. Coder un virus directement à partir des données. Sérieux, Bagley? Ces données Témis sont dangereuses! T'es malade d'en faire une copie! C'est moi qui lui ai demandé. C'est idiot de bazarder des données comme ça. On sait jamais ce qui pourrait nous être utile. Bref, si on s'en servait pour infecter les drones... Albion a un hub de communication central à Tower Bridge. Si vous transférez le virus là-bas, tous les drones se le prendront en pleine face. Allez, c'est parti. Eh, c'est pas mal, cette compétence de trafic allégé, là. Eh, cool. Ah, c'est vrai que ce perso, cet agent, il a pas grand chose de particulier, mais ça par contre, sympa. Briser l'écrou. Mission commencée. Contrecarrer le projet d'Emis au Tower Bridge. Ok. Je vais me diriger là-bas. 21h15, début de soirée. Ceci est le hub de communication principal d'Albion, mais il est mieux protégé que la réserve de coke de la famille royale. Commencez donc par détruire leurs appareils de cryptage. Et si vous êtes une quiche en piratage, je vous suggère d'accaparer un ou deux drones de combat. Bien reçu. D'accord. Comment je fais pour aller au-dessus? Je prends soit les caméras, soit les drones, hein, de toute façon c'est l'un ou l'autre. Tiens le drone! Tu peux venir là s'il te plaît, merci. Je vais voir ce qui se trame là-haut. C'est quoi ça au fait? Ah, oh là là, point d'accès. D'accord, je vois. Aïe. Voilà, à la limite, il me faudrait. Attends, je vais essayer d'y aller avec le drone, mais je sais qu'on peut escalader hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Ouais, on peut aussi le faire avec une interaction. D'accord. Bon, c'est quoi dans un cas comme celui-ci? Là, on n'est pas en zone rouge encore. Ouais, d'accord qu'on n'est pas en zone rouge. Dans un cas comme celui-ci, on va profiter quand même de nos avantages, n'est-ce pas? Bim, Rachel, viens par là. Par contre, on m'a dit que je devais changer le look de Rachel, enfin les masques aussi, parce que c'est vrai que les masques, je les change pas. Veuillez excuser, j'y ai pas pensé. Sincèrement, génial. J'y ai pas du tout pensé. Mais ce qu'on va faire, ouais, c'est prendre notre drone, voilà, comme ceci. Ça sera plus simple. Il est où mon drone? Tu l'as appelé? Ah voilà, là tu l'as appelé. Ça n'avait pas marché du premier coup. C'est pas un problème. Oh!
J'ai écrasé quelqu'un. Pardon. C'est mon drone. C'est pas moi, c'est mon drone. Allez, et là, regardez, on va monter. Ah mais non ! Ah les enfoirés, ils l'ont fait exprès, on est bloqué. Ah mais je peux déjà atteindre ceci. Bon. Mais attends, c'est pas... Ah mais c'est là-bas ? Je comprends plus rien, là. Bon, écoute, je vais me lâcher ici, déjà. Dans un premier temps. T'es avec moi, toi ? Ah oui, c'est toi que j'avais fait venir ici. Attends, je recharge. Là, on a le panneau. Rappelle-moi, quoi, ça sert déjà ? Ouais, pas grand-chose, finalement, je crois. Non ? Tu n'as rien vu ? Tu n'as absolument rien vu, gros. Attends, tu sais ce que je vais faire ? Ah, mais non, je peux pas quand je suis comme ça. Voilà, calme-toi. Reste cool, Raoul. Ma question est simple. Ouais, si, je pense qu'il faut encore monter, monter, monter. Pour avoir accès à tout ça. Ouh. On va le distraire gentiment. Dis-moi que t'es tout seul. Oh, apparemment, oui, hein. T'as de loin où on aurait dit une tenue de samouraï. Vraiment de loin. J'y ai cru pendant une seconde. Il y a les caméras partout. Un autre panneau par là. Ouais, on est au bon endroit, c'est sûr. Allez, toujours avec ma clé à molette. Sacré clé. Hein. D'accord, c'est pour redescendre là. Bah, je peux pas y aller. Ah si, faut ouvrir. Des munitions, merci bien. Ah, j'ai pas le droit d'être là, on est d'accord. Mais non plus, il est pas avec moi, je crois. Non, c'est pas un méchant ça. Prochain panneau en haut, hein. Je le distrais gentiment. On s'en débarrasse. Il me voyait pas ? Mais il faut dire qu'il fait sombre, enfin bon. Peut-être des limites, non ? Ah ! Attention à lui. Putain, le nombre de morts que je te fais dans le jeu, quand même. Il y a de l'abus, hein. Pas méchant, celui-là. Voilà ! J'en ai un ici. Interagir. Tu l'as vu le monsieur devant ? Reste planqué s'il te plaît. En voilà un HS. Et maintenant. En voilà un. Distrais-le. Il y en a un en face, j'espère qu'il va pas nous voir. Putain, il arrive, je crois. Bouge. C'est bon. Retrouvez-la. On est chaud aux fesses, hein. Ah, qui c'est qui nous a repéré ? Lui ? Ok. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On va la voir. Je peux pas encore parasiter. Il y a personne ici. Oh, il y en a un autre qui arrive, attention. Attention, attention. Faudrait que je parasite lui. Bah non, mais les deux en fait ça va être relou. Écartez-vous. C'est bon. Il y en a un troisième là-bas en plus. On peut le faire comme ça aussi, hein, ça marche. C'est un peu risqué, mais ça marche. Alors ce piège, donne-moi les munitions. Toi, t'es pas dangereux. Impeccable. Et le deuxième crypteur. C'est le dernier appareil de cryptage. Vous pouvez à présent transférer le virus via l'antenne centrale. Compris. Par contre, on m'a dit qu'il fallait changer les chaussures aussi. C'est vrai qu'on dirait des chaussures de clown. Transférer le virus vers Thémis. Attends, là-bas, ouais. Let's go. Oh, le joli triple screen. C'est au moins du 32 pouces. Minimum. Et c'est parti. Je détecte des drones en approche. Je vois. Hein, les drones Thémis? Non, 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 ce ne sont pas des drones avec un algorithme de psychopathe, mais des drones tueurs tout à fait normaux. C'est un problème quand même, non? Les drones partent intercepter l'individu. Ouh,
Mais, oh mon dieu! Mais on va crever! Comment tu veux qu'on reste en ville, hein? Je suis pas armé! Je suis pas équipé pour! Je suis foutu! Mais, comment tu veux que je reste en vie? Attends, je me tire! Vous devez vous approcher de l'antenne pour permettre. Mais je suis foutu, mec! J'essaie de courir! Elle a bien plus à craindre de vous que l'inverse! Mais je suis foutu! C'est sûr! Pour l'instant, je suis en vie, je sais pas comment je fais, hein! C'est mort! Je suis foutu là! Impossible, non, c'est impossible, vraiment! Je comprends pas comment on fait! En tout cas, pas avec Rachel! Ça, c'est pas possible! Donc, je vais prendre un mec qui est surarmé! Ah ouais, là, il faut un mec super armé! Oh, belle chaussure! Je vais prendre qui du coup? Alors, soit je prends elle, parce qu'elle a justement une santé béton! Elle encaisse moins de dégâts, mais au niveau arme, c'est pas cool! Peut prendre... non, je pense qu'effectivement nous allons prendre lui, hein. Qui est pour le coup surarmé. On peut faire des esquives assez intéressantes, dégâts de faction bonus. Ouais, allez. Je vais prendre notre tueur à gage, Harry Chakraborty. Qui est beaucoup plus classe quand même, je trouve. Nous disions donc... Là, je remonte tout de suite. Je ne perds pas de temps. Et on va transférer ce foutu virus. De quoi? Attends. D'accord. Ce délire... attends, d'abord je m'occupe du drone. Oh là là, mon dieu. Ça, ça a rien à voir avec la séquence qui se déclenche après. Hein. Ok. D'accord, tu fais exploser contre les caisses, moi ça me va. Ok, ça dégage. Maintenant, ça va arriver en grande pompe, si je puis dire. Attends, je m'occupais de l'autre là-bas. Voilà, ça c'est fait. Ouais, il est méga puissant, hein, cet agent. J'adore. Qu'est-ce que j'ai bien fait de le recruter. Allez, on voit la sauce. Et là, par contre, ça va arriver. Hein. Ça va arriver. Importe. Je balance mon drone de combat. Hop, hop, hop. Attaque. Hein. Non, ce ne sont pas t'attaque. N'hésite pas. Comme ça, au moins, ça détourne un petit peu l'attention sur moi. C'est bien. Oups, pinaise. Allez, c'est bien, toi t'exploses. Non! Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Ok. Ça va être quand même tendu tout ça. Ok, reste planqué. C'est quoi ça là-bas? Non, c'est rien. Ok. Ouais, faut rester dans la zone, on n'a pas le choix. Hein. Waouh! La roulade, faut s'en servir. Bien sûr. Pas rester statique en fait, c'est ça le truc. Pas arrêter de tourner. Ah putain, il t'envoie des trucs là, c'est chiant. Pour l'instant, c'est géré. Hein. T'attaques, hein, s'il te plaît. Hein. Dès que tu vois du monde, mon petit drone, je compte sur toi. Ok, de ce côté. Allez, viens pile poil, lui, il y a mon drone. Parfait. Le transfert est à moitié fini. C'est tout? Quand elle a besoin de mettre à jour leur système. Drone de renfort en route. Voilà. Tout roule, ma poule. On est très très bien. 62%. Ouais, ils te mettent bien des caisses de munitions autour, hein. Si besoin. Oula. Ok. Wow. Côté. Nickel. Bon, tant que c'est des petits drones, ça va. Les gros sont un peu plus chiants, par contre. On a combien? 83%. Il y en a 3 qui arrivent, là. Il y en a 3 qui arrivent. Waouh. Ça va, c'est des petits. Et où? Quelle fine gâchette. Alors là, c'est un vrai bon test, hein, cette vidéo, pour voir s'il y a de nouveaux debugs aujourd'hui, des freezes. Parce que ça bouge de partout. Tant mieux. Comme ça, on les verra bien, les freezes. Oh, joli. Oh, les ondes. Pas encore cette nuit que les machines vaincront. Tant de beauté. Rip Témis, on n'est pas prêt de revoir ce projet. Oui, quel magnifique jeu de lumière. Je vous conseille de partir avant que quelqu'un ait l'idée lumineuse de vous oxyre.
Le projet de Cass visant à lâcher des drones justiciers guidés par un algorithme social s'est retourné contre lui. Vous pensez qu'il a vraiment lu la moindre ligne de ces mythes grecs dont il voulait s'inspirer ? Comment on fera pour le contrer la prochaine fois ? Et la fois d'après ? C'est Cass, le véritable problème. On doit réfléchir à un moyen de l'arrêter pour de bon. Ouais, ok. Et comment tu comptes l'arrêter alors ? Cass a une armée, des drones. Il a même des tas de gens qui le soutiennent. Si on s'en prend à lui maintenant, on est foutus. Tout le monde nous prend pour des terroristes. Et c'est exactement ça ce qu'il veut. Bon, bah du coup, on doit s'attaquer à sa réputation. Bugs et moi, on a quelques idées sur la marche à suivre. Rassemblez-vous quand vous fasse un briefing. Ok, 20 points tech. C'était cool ça, hein. Enfin, fallait tenir, mais c'est vrai que ça dépend du perso que t'as. C'était un peu compliqué avec Rachel quand même. Lui, il est fait pour. Un homme d'action. Justice pour Claire. J'aimerais bien monter. Il y a moyen, ça marche pas. Ça marche toujours pas. Bon, je peux pas monter sur le ponton. Tant pis, de toute façon, on doit se téléporter à la planque. Allez, trajet rapide. T'es terrible, hein. Je peux même pas monter, quoi. Rien ne va plus. Allez, nouveau brief. Chez DeadSec. Dans notre 3A. On est quand même bien planqué, hein, cela dit. Allez, Bagley. Balance la sauce, mon ami. Albion confirme que les explosions observées dans le ciel londonien étaient bel et bien un projet de drone d'Albion saboté par des membres de DeadSec. Dans un entretien exclusif avec GBB Radio One, le fondateur et PDG d'Albion, Nigel Cass, a déclaré ceci. En réalité, les pseudo-combattants pour la liberté de DeadSec ont paralysé Londres. Ce projet de drone avait pour but de remplacer les agents d'Albion au sol afin que cette ville retrouve sa normalité. Mais maintenant, je ne peux pas abandonner le peuple. Ce n'est pas comme ça que je dirige. Cass a ensuite demandé que toute personne suspectée d'appartenir à DeadSec soit considérée comme terroriste potentiel et signalée à Albion. Quel fils de pute ! Mais faut reconnaître qu'il est doué, il sait se vendre. Monsieur joue les victimes alors que c'est clairement de lui qu'il faut se méfier. Et cela fonctionne ! Pardon, trop d'enthousiasme. Et cela fonctionne. C'est mieux ? Il est fort pour ça. Foutre la trouille aux gens et puis débarquer pour jouer les héros. Il faut qu'on montre à tout le monde son vrai visage. Donc son image, c'est aussi sa faiblesse. Si on la salit, il va s'effondrer. Justement, on a une petite idée là-dessus. Bagley, à toi de jouer. Voici Claire Waters, dissidente politique et podcasteuse, portée disparue après le teasing d'un épisode plutôt provocateur, jamais diffusé, par conséquent nous n'avons que ceci. Dans le prochain épisode des Flibustiers, je m'entretiens avec quelqu'un de l'entourage rapproché de Nigel Cass. Il m'a promis quelque chose qui prouverait que Cass est bel et bien un tyran. De quoi faire s'écrouler la White Tower. À la semaine prochaine, mes petits pirates. Nigel aurait démenti cette interview s'il avait pu. Si ce n'est pris à Water, c'est que l'émission devait être explosive. On doit la récupérer. Claire diffusée apparemment depuis Freight One. Vous devriez commencer par chercher là-bas. Cette Claire Waters a l'air douée elle aussi pour jeter des pavés dans la mare. Albion est sa cible privilégiée, mais elle a également taclé la brillante Sky Larsen, les Sœurs et le clan Kelly. Éclectique, n'est-ce pas ? Elle est peut-être pas obligée de bosser seule. On aurait bien besoin de savoir, et elle a sûrement besoin de notre soutien. Ça fait un moment qu'elle creuse dans les affaires de Cass. Si elle a pas déjà assez d'éléments pour lui coincer les burnes dans un étau, peut-être qu'elle se joindra à vous pour dénicher quelque chose. Localiser le studio d'enregistrement à Freight One. Hashtag justice pour Claire. C'est par ici. Oh, il y aura un bourreau là. On va se téléporter où ? Bah là, tiens, juste à côté du bourreau. Station Old Street. Limite, on fait le bourreau plutôt, non ? Non, on va faire la mission principale. Faut pas déconner. Non, on fait un bourreau par vidéo. Quoique, on pourra en faire deux parce que c'est vrai qu'il y en a un qu'on n'a pas fait dans la dernière vidéo. Non. Allez, on fait la mission principale. Le mec, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il tourne. Salut, cousine. Ah, d'accord, parce qu'elle a un problème avec lui, là. Attends, je vais le distraire. Eh oh, qu'est-ce qu'il veut ? Ça va pas, non ? Un problème, cousin ? Ouais, c'est pas parce que t'as des chaussures avec des néons rouges que, hein ? Allez, ça dégage ! Tu crois que je suis qui ? Ah bah merde, voilà. Par contre, forcément... forcément. On est poursuivi. Allez, salut ! Je me tire avec mon vieux taco. J'ai un petit triangle de recherche. Bon, c'est pas un problème.
Un taco, elle roule quand même, hein, pour un taco. Franchement, ça va. Pourquoi je fais tout le temps ça? C'est quand même terrible. Bon, tu te fais bouger, quoi. Ah, ils ont mis des barrages en place. Oh, c'est pas grand-chose. Ok, on y est. Je vois déjà une caisse d'arachno. Quelque part par là. Navré, je ne peux pas faire mieux. Saleté d'appareil analogique. Elle couvre mal ses traces. Les types qu'elle a énervés auront aucun mal à la trouver. Faut qu'on se dépêche. Alors, de quel côté passer? Apparemment, c'est en dessous, hein. Oui, d'accord. Ouais, la musique pas trop. Tiens, on va passer en dessous. Ça doit être par là, alors. Yes, dans la petite ruelle. En toute logique. Il y a une caméra. Ouais. Ah, mais je suis con, moi. Faut y aller avec l'arachno, on a peut-être pas le choix. Mais l'arachno, il passerait où? Tu vois un endroit où l'arachno... Ah, ouais, là. Très bien. Je pense même que c'est obligatoire, à mon avis. Est-ce que je prendrais pas le mien? Si, tiens, je vais prendre le mien. Je préfère largement à chaque fois, quand même, hein, je vais pas vous mentir. Parce que le mien, au moins, il sprint. Ça, c'est important. Ça va, allez. Vas-y, mon copain. On dirait la voix de Titoff, un peu. Petit coucou à Donald de Ragnou. La voix de Titoff, entre autres. Qui a fait d'ailleurs une bande-annonce, une voix sur la bande-annonce de Assassin's Creed. C'était pas elle terrible, je trouve. Elle était pas assez prudente. Putain, ils ont encore gagné, salaud. J'adorerais vous écouter gémir toute la journée, mais il serait sans doute plus constructif d'enquêter sur son meurtre. T'as raison, Bagley. Elle s'est battue pour la vérité. C'est comme ça qu'on lui rendra hommage. Allez, on jette un œil aux alentours. Ce graffiti est un peu bizarre. Carrément chelou, même. Claire a diffusé une série de podcasts critiques envers le clan Kelly. Ils devraient pourtant être habitués depuis le temps. C'est une bande de criminels. Ils ne s'attendent quand même pas à recevoir des couronnes de fleurs. D'habitude, ils se contentent de se débarrasser de leur cible. Ils vont pas s'afficher, en plus. Beaucoup de personnes passent par ici. Plusieurs individus. Des bottes plutôt que des chaussures. Le motif d'empreinte correspond à un certain fournisseur paramilitaire. Collection automne, me semble-t-il. Et Albion, c'est les clients prioritaires, je suis sûr. Ils ont oublié sa tablette. Bagley, on doit tirer un max d'infos de cet appareil. C'est tout ce qu'ils ont laissé. Tablette déverrouillée. On dirait que Claire y conserve des conversations. D'accord, vous avez accepté que je vous enregistre. Vous êtes technicien de renseignement chez Albion et vous travaillez auprès de Nigel Cass. C'est bien ça, monsieur... Juste. J'arrive pas à croire que je fais ça. Si jamais il le découvre. Oui, je sais. Il suffit de mettre un pied dehors pour voir comment Albion traite les gens. Vous avez quoi pour nous? Des preuves que Nigel Cass a participé aux attentats. Quoi? Mais c'est... Tenez, transférez ça sur ce disque dur sécurisé. Les informations sont fiables? C'est un enregistrement de lui qui parle à... Sécurité d'Albion! Lâchez vos armes! Vous ne pouvez pas faire ça! Rassemblez tout son équipement et emportez-le à Carousel Plaza. Toi, tag le mur, puis débarrasse-toi du corps. Elle peut rester ici. C'est moche, la guerre des gangrins. Pas vrai? Merde! Cass a envoyé une escouade pour zigouiller Claire et l'autre gars. Cet enregistrement, ça doit être du lourd. Il savait pour les attentats, le fumier. C'est Albion qui doit avoir le matériel de Claire, alors. Et les preuves audio incriminantes. Merde! C'est ce qu'il nous faut pour détruire Cass. L'ordure d'Albion a parlé de carrousel. Comme Carousel Plaza, j'imagine. Leur usine de propagande. Faut y aller. Cass va payer pour Claire et pour tout le reste. Pourquoi ne pas commencer vos recherches par cet endroit? Les preuves volées se trouvent quelque part là-dedans. Albion a mis le paquet sur les effectifs. Ils sont sur les dents, alors faites attention aux vôtres. J'ai envie de me défouler. Après ce qu'ils ont fait à Freight One, je vais pas me retenir. Oui, bon. Tâchons avant tout de trouver le matériel de Claire, si vous le voulez bien. Ah ouais, avec les drones, on va se faire plaisir. Moi, je te le dis. Tiens, on peut déjà commencer à amorcer les pièges. Il n'y a pas d'autres pièges dans le coin. Pas trop. Ouais, drones partout, hein, pour le coup. Un autre piège. Attends, je vais descendre. Vous avez trouvé le matériel de Claire. Il y a même le disque où elle faisait ses sauvegardes sécurisées. Personne ne nous a devancé. Par conséquent, les enregistrements audio devraient être intacts. D'accord. Allez. Ah, c'est génial!
C'est trop trop bien. Bon par contre le drone il pète très vite hein. J'ai mis le dawa. Ah en fait j'aurais dû péter le terminal là-bas, je suis con. Ah j'aurais dû tellement péter le terminal. Attends, il y a peut-être moyen de trouver un autre drone pour le faire exploser quand même, non? Tiens là-bas. Contrôler, est-ce que toi tu peux tirer? Oui, il peut tirer, génial. Attends, je vais tirer sur le terminal, que je puisse rentrer quoi. C'est surtout ça le délire. Allez, nickel. Allons-y. C'est ouvert. Donc, par contre, ils savent qu'on est là, mais bon, voilà, je voulais pas prendre deux pincettes pour le coup. Juste où sont les escaliers, s'il vous plaît, parce qu'on sait que c'est juste au-dessus. Hein. Attends, c'est pas quelqu'un ça? Bah si. Salut. Énorme, il m'a pas vu. Non mais attends, énorme ce qui vient de se passer. L'autre gars m'a pas vu. C'est génial. Et reviens toi. Quoi? Wow. Arrête de faire des allers-retours vieux. Allez. Corde à piano. Trop la classe. Bon, c'est Meat Man, Meat Action Man. C'est énorme. Attends, par contre, on va faire un truc. Viens par là, toi. On s'interdétruit entre drones. Oh merde, je peux plus le finir. Putain, je suis vraiment demeuré, hein, des fois. Bon, allez, allons-y. J'ai quoi comme arme, au fait? Ouais, j'ai mon... J'ai ce qu'il faut. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Amène-toi. Attends. Non, pas la roulade, je veux grimper pour me le faire. Attends. Attends un peu. Allez. Je joue au chat et à la souris. D'où elle se retourne comme ça, elle? Bon, allez, il suffit maintenant. Il suffit. Pas le temps. Oh, c'est bon, quand on est équipé comme ça avec lui, on peut y aller bourrin. Et puis de toute façon, voilà, là, ça va les attirer, donc... L'un dans l'autre, allez. Oula. Ah, attends, bouge pas. J'ai plus mes... Comment ça se passe? Ah non. Ah non, mais j'aurais dû changer. Je peux plus, je suis en zone rouge. Donc j'ai plus mon drone de soutien. Choqué déçu. Ok. Putain, elle avait un explosif en plus. Oh, c'est efficace un G36. Hein. Punaise. Salaud. Dégage. Oh, ça fait mal. Ça fait très très mal ça. Joue la corde. Y'a plein de monde. Hop là. Ça l'a fait sauter le gars. Ah putain de merde. Non. Allez, restons cool. De toute façon. Non, au-dessus. C'est bon, c'est bon. Tant qu'on reste dans l'escalier. C'est quoi ça? Ça vole par-dessus. Ah. Mais c'est pas possible. Ok. Aïe aïe aïe. Attends, on est pas mal mais c'est quand même vache tendu leur truc. File les munitions. Non, pas le temps. Ah. Tu vas mourir. Voilà. Nous disions, c'est par là-bas. Let's go. On est sur la bonne voie. C'est l'enfer. Ah, faut pas être en poursuite. Faut que je tue tout le monde quoi, génial. Suivant. Ou suivante. Allez, quelques petites salves. Ça devrait le faire. Ils
Dans la tête, voyons. Allez, vas-y, viens dessus. C'est juste une égratignure, bien sûr. Attention. On va la voir. Hein. Voilà. C'est bon. Ouh. Tout le monde est mort. Le travail bien fait. Alors, je sais que vous écoutez. Discutons. On vous a dit que le Premier ministre vous dirait non. Les Britanniques adorent voir des milices privées à l'étranger. Mais pas chez eux. C'est un idiot! Toute la ville, tout le pays s'effondre. L'armée ne tient plus que par des bouts de ficelle. Et la police est effrayée. Quelqu'un doit sauver le peuple, Nigel. Quelqu'un de fort. C'est vrai, oui. J'ai déjà une solution. Les cibles idéales sont la conférence de la TOAN, le Parlement et l'hôpital du King's College. Je fournirai des équipes tactiques pour la logistique, mais trouvez les bombes vous-même. C'est non négociable. On ne doit pas remonter jusqu'à moi. Vous oubliez quelque chose? Et je vous donnerai accès à filaments comme convenu. Maintenant, allez-y. Bon, fichez le camp, ou ils vous tueront à coup sûr. Bon, ça va, là, de toute façon, on a tué tout le monde, y a plus trop de risques, je pense, à part s'ils ont rappelé des renforts, mais... De toute façon, on a la sortie jusque-là. Cette fois, ça donne envie de lui aplatir les bollocks au fer à repasser, non? Et ces crapules de Zero Day savaient exactement quelle ficelle tirer pour obtenir ce qu'ils voulaient. Filament! Et Cass était partant pour le leur céder en échange des clés de la ville. Merde! Je sais plus, là. J'ai toujours cru qu'il y avait une chance qu'il a... Putain! Qu'il soit celui que tu pensais au fond de toi. Désolé, Amish. Si cette personne a existé un jour, elle s'est volatilisée. Il faut qu'on publie cette information, pour le peuple. T'as raison. Quand vous aurez le temps, passez à Piccadilly Circus. Je travaille sur un projet avec Bugs, et cette preuve est exactement la pièce manquante qu'il nous fallait. Ok, rejoindre Piccadilly Circus et surveiller la surprise de Amish. On verra ça la prochaine fois, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous me direz surtout dans l'espace commentaire si vous avez vu... des lags, des freezes, en même temps, bon, je pense que je le verrai au montage, vu que là, je vais vérifier aujourd'hui. Merci à tous encore d'avoir suivi l'épisode, on se retrouve très bientôt demain pour la suite de l'aventure. Et alors, je peux vous dire que c'est une question de jours, et d'ailleurs très peu de jours, je n'ai pas le droit de donner une date, mais Assassin's Creed Valhalla, c'est pour très 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 bientôt. Merci à tous, ça va être fou. Merci à tous, portez-vous bien, et à très vite. Ciao ciao!